Quartier des Olives, 13e arrondissement de Marseille. Ce soir, cette bande de potes fête l'enterrement de vie de garçon d'Olivier. Une soirée surprise organisée par Julien, le témoin du marié. Il y a la voisine qui est sortie et au lieu de me dire ah ouais, on fait trop de blagues, etc., elle me dit c'est magnifique, c'est merveilleux, depuis que je suis venu d'armée, j'ai jamais entendu ça. Tout le quartier va être enflammé, je crois que le quartier va vraiment. Enfin, déjà venir. La fenêtre là-haut, les gens, c'est vrai, regarde. Regarde les gens à la fenêtre. On va leur dire de venir. Julien est français d'origine arménienne, comme ses parents. Tous sont nés à Marseille. Ce sont ses grands-parents qui ont fui la Turquie et le génocide de leur peuple. En 1915, plus d'un million et demi d'Arméniens n'ont pas eu cette chance. Comme le veut la tradition arménienne, il faut à un moment donné aussi se souvenir. Ce verre, je voudrais le boire à toutes les personnes de nos familles qui ne sont plus là aujourd'hui. Pensez à ceux qui, un jour, se sont soulevés. On dit que ça suffisait et qu'il fallait simplement se révolter. Je crois qu'on est tous issus de cette frange-là. On vient tous un peu de ce terreau-là et que tant bien que mal, on essaie de le perpétuer. Très attachés à leurs racines, Julien et ses amis appartiennent à une troupe folklorique amateur. Les chants et la danse, impossible de s'en passer. Musica! Il y a cet extrême-là chez les Arméniens. Retrouve sans nous. Beaucoup d'envie de faire la fête. Beaucoup d'envie aussi de revendiquer des choses. Le lendemain, Julien a rendez-vous à l'église apostolique de Marseille. Dirigeant de la jeunesse arménienne de France, il est convié avec toute la communauté à inaugurer le centre culturel. Pour cette grande occasion, le prélat, numéro 2 de l'église apostolique, s'est déplacé pour la bénédiction. C'est très important cette inauguration parce que c'est, la, c'est une des, encore une des maisons de l'Arménie qu'on vient d'inaugurer là. On a Ofsana Kaloustian, ça c'est la doyenne de la communauté arménienne de Marseille. Elle a plus de 100 ans. 103, elle va avoir. Bonjour. 103 ans. En novembre, 103 ans. Parfaitement, c'est la dernière rescapée. Depuis 95 ans, ce qui continue de souder la diaspora, c'est le génocide arménien. Sa famille, du côté de sa mère, a été plus ou moins préservée. Mais du côté de son papa, ils ont tous, elle n'a plus retrouvé personne. Ils ont tous été massacrés. Ils sont pas revenus. Aucun souvenir. Sa fille. Je suis sa fille. De ma ville natale. Aucun souvenir. Et avant, elle n'en parlait pas. Ça l'a touchée tellement, elle n'en parlait pas du tout. Il n'y a qu'une 15, 20 ans, elle dit, il n'y a plus personne pour témoigner. Il faut que je suis obligée de raconter moi-même. De temps en temps, elle raconte, c'est insoutenable. Et quand elle entend le négationnisme, c'est terrible. Terrible. À ce jour, si la France et l'ONU ont reconnu le génocide arménien, la Turquie, elle, refuse toujours de l'admettre. Pourtant, en France, aucune loi ne condamne le négationnisme turc. C'est le combat de Julien. Les Arméniens des diasporas, on sent en eux qui est fait que le génocide constitue la pierre angulaire vraiment de tout. Nous, et pour cause, si on est ici, si on vit ici, c'est parce qu'on a été victime d'un génocide. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là, un peu malgré nous, on n'a pas choisi d'être. L'Arménien qui vit là-bas, il a plus un problème de savoir surtout comment survivre. Alors que nous, d'abord on est dans la mémoire et puis on est aussi dans le militantisme pour la reconnaissance du génocide arménien. Aujourd'hui, les Arméniens de Marseille sont à Paris. Julien et sa troupe de danse ont rendez-vous sur les planches d'un grand théâtre pour la dernière de leur comédie musicale, Ararat mon amour. On va voir les filles un peu. Alors les filles. Salut les filles. Voilà les belles filles d'Ararat mon amour. Extraordinaire. La salle est comble, les corps s'échauffent et la pression monte. C'est comme sur un parachute. Sans parachute. Julien entre en scène un peu plus tard. Il assiste des coulisses au début du spectacle. L'histoire de deux jeunes frères arméniens séparés lors du génocide. Dans le devoir de mémoire, c'est l'acte fondamental. L'acte fondamental. Il faut cultiver ce devoir de mémoire-là. Et par ce spectacle-là, on transmet aussi ce devoir de mémoire-là. On sensibilise
l'opinion publique à ce travail de mémoire-là qui est nécessaire pour éviter justement que ça se reproduise. Et là, ça va démarrer. La rencontre, voilà la rencontre, c'est le coach Ali. L'ouverture. Ils sont chauffés à bloc. Et d'un coup, c'est l'explosion. Sur les planches, les danses se succèdent et l'ambiance bascule. Des coulisses, Julien vit l'un des moments clés du spectacle. La scène du massacre. Le génocide n'est toujours pas reconnu par la Turquie. On a encore beaucoup de travail à faire pour cette reconnaissance, pour offrir cette sépulture morale à tous ceux qui sont morts, à tous nos parents qui ont péri dans la nuit, qui aujourd'hui sont morts pour rien. C'est enfin l'heure de la renaissance et l'entrée en scène de Julien. Pas de stress pour lui, il danse depuis plus de 20 ans. Mission accomplie pour la troupe, c'est un triomphe. Et comme pour chaque Marseillais qui se respecte, la victoire se fait en chantant. Nous sommes les Marseillais ! Nous sommes les Marseillais ! Allez, l'OM ! Tu es arménienne, tu es Marseillais ! Tu viens de remporter une victoire, tu penses à l'OM, c'est des marjots, c'est ça la double identité.